Java. Je prenais la vie, me vois-tu, me voilà. Je passe à minuit sans me demander pourquoi. Et pourquoi? Et moi je peux vous dire qu'avant j'étais comme ça. Je disais des mots mais je les comprenais pas. Je prenais le dico pour un télérama. Je pensais que l'ennui c'était de savoir pourquoi. Et pourquoi? Pourquoi? Aïe. Ça sert à quoi savoir pourquoi ceci, cela, etc. Avant j'étais comme ça, je me prenais pour Bardot, toute seule dans ma loggia, je payais des impôts, j'avais même un livret A, changeais d'avis sans me demander pourquoi. Et pourquoi?
émission particulière ce soir, tout d'abord par sa forme, puisque nous faisons cette émission en direct mardi 8 mars et qu'elle sera aussi rediffusée vendredi à partir de 19h sur le même canal 44 de Télépuce. Émission inhabituelle aussi puisqu'il y aura des surprises dans cette émission, mais ça je vous en dis pas plus tout de suite, il y aura des expériences tentées. On verra ça avec nos invités. Alors le thème de cette émission, les perceptions extrasensorielles, la télékinésie, la clairvoyance, la clairaudience, la télépathie et même l'hypnose, autant de termes propres à la parapsychologie qui sont parfois entourés d'un flou artistique quand on n'est pas expert. Alors quand on a décidé de faire cette émission, on s'est aperçu qu'il aurait fallu beaucoup de temps et peut-être même plusieurs émissions pour réussir à détailler chaque aspect de cette discipline ou de cette science. On a donc restreint le thème de cette émission à la voyance et puis par extension à l'astrologie. Avec nous, tout d'abord, un mathématicien. Bonsoir. Vous appelez Emmanuel Asmussen. Vous êtes prof de maths, économiste, mathématicien. Vous êtes chercheur aussi. Vous dépendez de l'unité Paris 1. D'accord. N'oubliez pas surtout d'utiliser votre micro. Excusez-moi. Et puis à côté de vous, il y a notre astrologue de service, Aline voilà. Kestenberg. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous parlerez bien sûr de votre profession, comment vous considérez la pratique de l'astrologie, puis quel rapport ça peut avoir avec la voyance. Oui. À côté de vous, Ranky. Bonsoir. Alors, un personnage qui est quand même assez connu, puisque vous avez baroudé pas mal, notamment dans le milieu de la télévision. Vous êtes illusionniste, magicien, c'est votre premier métier, mais vous avez aussi fondé un comité d'expertise de phénomènes paranormaux. Et là, je crois aussi que vous avez, d'une part, beaucoup voyagé et vu pas mal de choses, à la fois des choses déroutantes et des choses peut-être moins sérieuses. Oui, effectivement. On en parlera aussi tout à l'heure. À côté de vous, Ange. Bonsoir. Bonsoir. Voyant, médium, vous avez été primé au... Festival mondial de la voyance et d'astrologie à Cannes, l'année précédente. Voilà. Et puis, à côté, Anthony. Anthony qui fait maintenant quasiment partie de l'équipe de Télépuce, puisque Anthony, tu habites à côté, à Saint-Ouen-l'Aumône, et oui. Tu vas certainement prochainement réaliser une rubrique de voyance, et tu as réalisé aussi pour nous une expérience de voyance. Le plus grand mal, c'est l'ignorance, disait Bouddha, à croire que nos ancêtres, à l'âge de pierre, avaient déjà eu vent de la parole du prophète, car ils n'hésitaient pas à se faire prédire par leurs sorciers le meilleur terrain de chasse. Aujourd'hui, le voyant tente de répondre aux questions et aux doutes de l'homme. Considéré ou méprisé, son existence est reconnue, tout comme elle l'était d'ailleurs durant l'Inquisition, où les oiseaux de tout augure se voyaient réserver bon nombre de bûchers. Ce n'est qu'à l'aube de la Renaissance, période où l'on se passionne pour les sciences, qu'apparaît l'alchimie. Mi-imaginoire, mi-science physique, l'alchimie ouvre les portes à la médecine, qui conservera le noble titre de science exacte, ce qui aura aussi pour effet de ranger définitivement les pratiques extrasensorielles du côté des sciences occultes. De la pitié grecque à la sorcière de Salem, des entrailles de moutons sacrifiées aux lignes de la main, un seul monde, celui de la parapsychologie. Ce monde qui semble prouver qu'il existe entre l'homme et l'univers des rapports autres que ceux établis par les sens habituels. Tout être humain normal pourrait percevoir des objets à distance ou à travers des murs, influencer le mouvement des objets sans les toucher, projeter des pensées et ses sentiments dans un autre être humain, et enfin, avoir connaissance d'événements à venir. Aujourd'hui, du tarot de Marseille au marc de café, en passant par la radiesthésie, ce n'est pas moins de 8 millions de Français qui chaque année consultent l'un des 50 000 voyants professionnels. Une profession aussi répandue que médecin généraliste, dont le chiffre d'affaires annuel est de 8 milliards de francs. Passionné ou sceptique, c'est la même question qui revient. Expert ou charlatan, à vous de juger. Bon, il faut que je me situe un petit peu mieux. Disons que, au démarrage, au départ, je suis illusionniste. Donc, j'emploie des procédés. Du trucage qui me permettent ou qui permettent à mes collègues de reproduire des phénomènes dits paranormaux ou des phénomènes paranormaux, car en réalité je suis illusionniste, mais je suis quand même profondément convaincu de l'existence des phénomènes paranormaux.
Et c'est le fait d'avoir expertisé des choses qui vous a fait découvrir des choses que vous n'imagineriez pas? Oui, disons que le fait d'avoir expertisé, ça a confirmé. Mm-hmm. Parce que j'ai toujours été pour l'étude. Déjà, il ne faut pas être fermé, hein, mm-hmm. je pense. Et quand on vous propose un phénomène, eh bien, il faut avoir l'honnêteté et puis l'intelligence peut-être de se rendre sur les lieux et d'aller voir si, oui ou non, ça existe. S'il y a trucage ou s'il y a charlatanisme, parce que ça existe. Alors donc nous avons construit, hein, édifié ce comité mm-hmm. Qui a des ramifications dans le monde entier. Et quand des scientifiques s'adressent à nous, beaucoup de scientifiques, quand ils ont un doute sur l'authenticité d'un phénomène, soit la psychokinèse qui est le déplacement d'objets, mm-hmm. enfin toutes sortes, on a vu des voyants, on a expertisé beaucoup de monde, donc on fait appel à notre comité. Nous n'avons aucun a priori, nous nous rendons sur place et on essaye de voir la part du vrai et la part du faux. Et alors, est-ce que vous avez rencontré des voyants qui vous ont carrément dérouté? Ah oui, absolument, ouais. Bien sûr. On a rencontré beaucoup de charlatans. Beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup. Et nous avons rencontré des voyants. Et tout à l'heure, Monsieur Ange parlait de faire le ménage. Mmh. Ben, je pourrais vous citer quelque chose à ce sujet parce qu'il existe. Alors là, je n'ai vraiment pas fait exprès. Vous voyez, ça commence. Car il existe à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, une femme de ménage. Écoutez-moi bien, c'est absolument fantastique. Que nous avons testée. Elle n'est pas voyante. Officiellement, elle n'est pas inscrite. Je ne sais pas si vous avez... registre, non, il n'existe pas de registre proprement dit. Hein. Les seules affiliations sont, nous sommes affiliés en tant que profession libérale, tout mm-hmm. simplement. Eh bien, cette femme de ménage, vous savez, comme vous pouvez les voir, mm-hmm. femme de ménage qui balaye, nous a époustouflés, car vraiment, elle nous a fait des voyances qui sont avérées d'une justesse fabuleuse, absolument, c'était fantastique. D'ailleurs, il y a énormément de gens qui lui ont conseillé de prendre un cabinet. Elle ne veut pas en faire son métier, mais c'est une voyante. Alors, voilà une voyante. D'autre part, nous avons testé des voyants qui, eux, n'étaient pas des voyants. Ou ce jour-là, ça ne fonctionnait pas. Parce que je ne pense pas que l'on puisse faire de la voyance. Vous savez, on va voir un voyant à 4h30. Je ne pense pas qu'à 4h35, ça puisse démarrer, à moins d'avoir une grande habitude, de connaître le client. Ouais. Enfin, je ne pense pas que ça fonctionne automatiquement à tous les coups. Alors, l'astrologie est établie à partir de la date, l'heure et le lieu de naissance. Mmh. On prend une photo du ciel à partir de l'endroit exact où la personne est née. Et ça donne la position des planètes, que l'on reporte dans un cercle divisé en 12, les 12 secteurs. Donc, étant donné que les planètes évoluent toutes à une vitesse différente, la photo obtenue est unique. Donc, chaque individu aura une combinaison unique qui ne se reproduira jamais. Mais pourtant, chaque individu a les 10 planètes, 12 secteurs, 12 signes. Et c'est la combinaison, l'angle qui sépare chaque point, qui amènera la personne à avoir telle tendance ou telle façon d'agir. D'accord, donc c'est l'orientation des étoiles par rapport à un certain lieu. Planète et satellite. Et à partir de là, vous faites des interprétations pour dresser le thème de la personne. Voilà, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des dons paranormaux pour faire de l'astrologie, ou est-ce que c'est purement logique? À mon niveau, c'est purement logique. Hein. Je fais uniquement de l'astrologie logique, c'est-à-dire que je pars de 12 façons d'être qui, mélangées, obtiennent une certaine personnalité, un peu comme les notes de musique. Vous les mettez les unes à côté des autres et vous avez différentes mélodies. Un clavier avec 12 notes et mmh. vous pouvez jouer toutes sortes de mélodies. Alors, ce qui est quand même étonnant, c'est que vous trouvez des choses très, très précises. Oui. On peut trouver des tendances de la personne. C'est-à-dire que chaque combinaison va représenter une certaine forme d'énergie que la personne peut exprimer d'une façon positive ou négative. Et dans ma pratique, je vais énoncer toutes les formes de possibilités. Et la personne va se retrouver. Mais moi, je ne sais pas la forme que la personne choisit. Enfin, généralement, les personnes qui viennent me voir en consultation ont choisi au départ la forme négative. Sinon, ils n'auraient pas de problème, ils ne viendraient pas me voir. Il n'y a jamais des gens qui viennent comme ça, tout curieux. Va bien, comment ça se passe l'astrologie? Oui, par curiosité, pour apprendre l'astrologie dans ce cas-là. Mmh.
D'accord. Et pour prédire les moments où l'événement va se passer, mais je ne connais pas le détail de ce qui va se passer, je ne connais pas l'événement, mais je sais à quelle période il va se passer, on utilise les progressions, c'est-à-dire que la carte du ciel au moment de la naissance reste fixe et ne bouge pas. Mmh. Et il existe différents modes mathématiques pour calculer des progressions, c'est-à-dire à quelle vitesse les planètes vont évoluer, pour animer les aspects du thème natal. Également, on regarde la position des planètes tous les jours. Et alors ça dit quoi? Ça dit dans tant de mois, vous ne serez pas très bien, ou alors ça dit tel jour, telle heure, vous aurez un accident? Par exemple, une personne me dit... j'ai envie de changement en ce moment, je supporte plus mon mari, je veux divorcer. Alors je peux lui regarder le thème astral et évidemment voir qu'à cette période la personne a énormément besoin de changement dans la vie. Donc je vais lui expliquer qu'elle a en fait besoin de variété, d'avoir différentes activités, elle s'ennuie et le fait de divorcer ne changera rien. Oui, c'est juste de remettre les choses à leur juste valeur. Et le but de l'astrologie, pour mon compte personnel, c'est d'essayer de faire comprendre à la personne pour que la personne agisse en pleine conscience de ce qu'elle fait. Anthony, toi qui n'as pas encore de cabinet à ton nom, comment tu envisages de, je sais pas, le décor, la façon de faire les choses dans tes séances à venir? Ben moi, pour l'instant, là, actuellement, je me déplace plus en fait chez les gens. Donc, en fait, j'ai pas encore la notion. À savoir donc d'avoir un cabinet où les gens viendraient de me voir. En fait, c'est moi qui viens en devant des personnes. Alors en fait, donc, je réussis quand même toujours à, comment parler, de ce fait, de ce lieu où on va voir le voyant et qui a toute une atmosphère. Moi, j'arrive, si vous voulez, à le continuer, en fait, chez les gens. Quand je me déplace, j'arrive malgré tout à faire ce petite atmosphère qui fait que les gens sont une heure, deux heures d'évasion par rapport à la voyance que je fais. D'accord. Mais sinon, non, j'avoue que j'ai pas encore la notion, hein, je peux pas encore dire. Aline, vous seriez prête à aller au salon parapsy pour faire de l'astrologie? Non. Non, pourquoi? Parce que j'aime pas la foule déjà. Ouais. Et puis, effectivement, je n'aime pas tellement recevoir les gens comme ça, trop de monde qui viennent voir. La chaîne, quoi. Voilà, je n'aime pas tellement. Non. Non, moi, je peux dire que j'ai eu qu'une seule fois où on m'a demandé de faire un retour d'affection. D'ailleurs, avec la personne, j'ai parlé plus d'une heure au téléphone pour lui faire comprendre que c'était pas dans mon domaine. Mm-hmm. Mais c'est pas non plus... même si j'aurais le pouvoir de le faire, je le ferais pas. Parce que c'est aller contre nature et j'estime que... On doit laisser faire les choses comme elles doivent aller, en fait. Parce que la personne, moi, je trouve que ce serait pour mieux sauter, en fait. Si vous voulez, le fait que la personne est partie, elle a fait revenir, et en fait, la personne repartira, de toute façon, puisqu'il y aura un côté qui va, s'arrêter, en fait. Et elle partira quand même. Donc, si vous voulez, c'est pour mieux sauter. Moi, je trouve que c'est pas la peine. Je n'essaie pas de faire quelque chose contre les gens, non. Au contraire, je préfère les aider que de faire ce genre de choses. Puis de toute façon, c'est pas mon domaine, et puis de toute façon, je le ferai pas. Ceci dit, je voudrais aussi apporter un point, parce que la voyance n'est pas faite uniquement pour résoudre les drames, les conflits, les choses comme ça. Il y a aussi des tas de personnes qui viennent consulter un voyant parce qu'ils ont des ambitions et qu'ils aimeraient savoir tout simplement si ces ambitions se réaliseront, oui ou non. Ils se font peut-être quelquefois un film de leur vie et aimeraient bien voir leurs espérances aboutir. Il y a aussi en grande majorité des gens qui viennent pour cette raison-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas que les drames, les conflits de famille, sociaux, les problèmes de santé aussi. Hein, puisque la voyance n'a absolument pas de limite, bien au contraire, on peut parler de tous les champs d'action possibles. Donc par conséquent, ça ne s'adresse pas qu'aux personnes qui ont vécu des drames ou qui vivent des drames. C'était un point que je tenais à préciser parce que on parlait tout à l'heure avec le prêtre et puis vous-même, de ces conflits, et que c'est vrai que nous avons un rôle social important à jouer. Nous sommes là pour ça. Mais il y a aussi d'autres raisons à cela. D'autres raisons pour l'être de la voyance. On a filmé une voyance que Anthony a réalisée à quelqu'un qui travaille occasionnellement pour Télépuce, et je crois que ça a été assez saisissant.
On va retrouver après ce reportage Olivier Laurence qui nous dira ses impressions sur cette voyance. Je peux vous assurer que c'est vraiment la première fois que je vais tenter une telle expérience, la première fois également que je rencontre Anthony qui va, on peut dire, essayer de voir l'avenir dans le mar de café. Donc je bois le café. Ce qui n'est pas très bon parce que j'ai pas l'habitude de boire mon café avec du mar. Donc maintenant, je pense que nous pouvons commencer l'expérience. Le mar de café est un des supports que l'on peut utiliser pour faire une voyance. Il y a aussi également le fait, quand on la retourne, qu'il y a des dessins qu'il se forme et par la suite on peut entamer une voyance. Je ressens par rapport à la soucoupe, je ressens une montagne, je ressens qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous, une chose qui va être tout à fait bénéfique et à la fois ce sera un projet que vous avez en cours actuellement et qui va se déclencher. Je ressens beaucoup dans le sens vers août ou juillet. L'aigle veut dire la réussite et vous allez prendre votre envol. Cette année, je sens que ça va vraiment être quelque chose. Et il y a un chien à côté qui fait que vous allez garder cette fidélité dans votre direction, en fait. Dans votre... qui est auprès de vous, non ? Où il y a quelque chose qui a fait qu'elle a fait démarrer votre situation actuelle, qui vous a permis une force, quelque chose qui... Non, c'est pas ma mère. C'est pas votre mère, parce que je sens une femme. De toute façon, vos parents sont divorcés. Oui. Je le sens. Et ce changement, je le sens, vous l'avez mal accepté. Je sens qu'il y a quelque chose qui a fait qu'en fin de compte, ça a été en fait tragique pour vous. Oui. Je sens qu'il y a ce côté... Vous n'êtes pas actuellement marié. Non. Parce que je sens qu'il y a une femme autour de vous, ou il va y avoir une femme autour de vous. Je sens ce côté... Mais il va y avoir vraiment un changement pour vous. Je sens que cette année, ça va vraiment être décisif. Du fait que vous aimez ce métier dans lequel vous êtes, je sens qu'il va y avoir vraiment un démarrage, une situation. D'ailleurs, vous allez déménager, hein, ou vous l'avez fait déjà. Je sens que vous allez déménager, qu'il y a quelque chose qui... Si vous voulez, ça va vous permettre d'agrandir. Vous êtes en appartement, là. Oui. Parce que je sens que vous allez agrandir. Je sens, je sais pas, je sens ce côté où vous avez déjà le désir déjà de déménager. Oui. Et que vous allez vraiment le faire, si vous voulez. Moi, je ressens fin 88 dans ces eaux-là, vous voyez. Et cette femme-là vous apporte beaucoup, hein, celle qui est autour de vous. Mm-hmm. Hein. Je sens qu'il y a ce côté, ce partage. Vous n'avez pas encore d'enfants. Si. Vous avez des enfants parce que je ressens deux... Je ressens deux enfants. Là, pour l'instant, vous en avez qu'un. Mmh. Parce que je vois le chiffre 1 et je sens que vous allez en avoir un deuxième. Mmh. D'ailleurs, il est en préparation. Mmh. Je sens qu'il y a quelque chose, hein, qui... Ça fait pas 6 mois qu'elle est enceinte ? Ou à quelque chose près, approximatif ? Ça fait 5 mois. 5 mois, ce que je sens là qu'elle approche, donc des 6 mois et... Olivier, vos impressions, tes impressions après cette voyance. Et tout d'abord, qu'est-ce qui était juste, qu'est-ce qui n'était pas, qu'est-ce qui t'a le plus frappé? Enfin, après la voyance qui s'est passée donc récemment, tout était juste, sauf un point
où la femme qui est dans mon entourage et qu'Anthony a vu très justement n'est pas âgée, n'est pas ma mère. Mais sans ça, la totalité de la prédiction était juste. Et un petit regret quand même, parce qu'Anthony a failli révéler le prénom du futur enfant et ne l'a pas fait. C'est dommage. C'est dommage.